4S est au rendez-vous. Quand on plante, on suit, on récolte. Le tout n'est pas de mettre à terre abandonné, mais de mettre les suifs. Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, mais on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo, ou dans cette vidéo chez Agripreneur, nous allons parler de la récolte du macabo, de comment bien récolter son macabo. Car vous savez, ça c'est la phase terminale. Et si nous sommes dans une de nos macaborets, car nous avons multiplié le macabre que nous avons mis sur pied. Et si nous sommes dans l'usine de macabre où nous sommes en phase de récolte. Et il sera question de vous donner 2-3 astuces sur comment bien récolter votre macabre. Et il faut dire que pour parvenir à la récolte, il va falloir que vous ayez plus haut respecter la loi des 4S et la loi des 4B. Donc on va plus revenir dessus. Alors, à l'introduction, vous avez vu comment on a expliqué en fait de façon succincte la récolte. Là, pour mieux récolter votre macabre chez l'agripreneur, il faut déjà vous rassurer de respecter l'itinéraire technique et la période idéale pour la récolte. Parce que si vous ne respectez pas la période idéale pour la récolte, vous allez vous rendre compte que vos macabos vont dépasser, ça va se transformer en semences, et là vous n'aurez plus une grande production. Deuxième des choses, il va falloir éviter d'utiliser tout objet ou outil tranchant. Parce que si vous utilisez ces outils, ça va blesser le macabo, et là vous aurez une perte en termes de qualité du macabo. Donc, il est préférable de ne pas utiliser la machette ou la houe pour récolter. La main, comme vous avez vu à l'introduction, utilisez votre main pour faire votre récolte. Alors ici devant nous avons notre récolte de macabo, comme vous voyez là. Et il faut dire que nous avons récolté une petite portion. Et là derrière, vraiment, ce que nous gagnons en plus de cette petite récolte ici, c'est les semences qu'on pouvait voir là. Il y a assez de semences disponibles là pour étendre sur une plus grande superficie. C'est-à-dire que la superficie que nous avons eu à faire va être triplée, va quadruplée à partir des semences que nous avons reçues, que voilà. Et voilà la récolte que nous avons. Donc, vous pouvez admirer, comme vous voyez là, la qualité de la récolte. Vous avez vu comment on a récolté. Là, ce n'est que le début. Donc, la récolte va continuer. Et vraiment, de très belles récoltes, comme vous pouvez voir là. Ça fait plaisir de parvenir à ceci. C'est juste pour montrer que la terre ne trompe vraiment pas quand on ne triche pas avec elle. Mais lorsque vous trichez, vous ne pouvez pas avoir de tels résultats. Cette vidéo aussi, c'est pour davantage motiver ceux qui n'y croient pas encore à l'agriculture, ceux qui sont encore sceptiques, ceux qui pensent que c'est de la blague. Non, sur cette chaîne, nous ne blaguons pas. Sur cette chaîne, nous partageons, nous éduquons, nous sensibilisons. Nous partageons, nous parlons d'agriculture de terrain et non celle de bureau. Nous parlons d'agrofricanisme. Nous devons produire ce que nous consommons afin de permettre à ce que notre agriculture puisse se développer, mieux se déployer. Donc, voilà la récolte que nous avons fait aujourd'hui. Nous parlons chaque fois de la mise en terre, de la technique de suivi. Aujourd'hui, nous sommes en phase de récolte. Donc, c'est un plaisir de partager ceci avec vous. Vous qui voulez vous lancer dans cette culture, c'est une très bonne culture, très rentable. Donc, ça fait plaisir de partager ça avec vous. Espérant que la prochaine campagne 2022, vous saurez vous lancer. Si vous voulez vous lancer, vous avez besoin de semences, vous savez quoi faire. Vous avez besoin d'accompagnement. Bref, vous avez besoin de tout. Nous sommes là pour vous. C'était un plaisir de partager ça avec vous, chers agripreneurs. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroficanisme. C'était comme ça pour vous, le chantier agrofricain, pour vous booster et développer votre agri-attitude. Quant à nous, nous sommes encore sur le terrain pour profiter de notre récolte et afin de mettre sur le marché des produits de qualité et en quantité. À très bientôt. Bye bye.